Bonjour chers téléspectateurs, je suis heureux de vous saluer sur la chaîne de Sovelmash et sur le site de construction où on construit le bureau d'études avec le même nom, Sovelmash. Je m'appelle Alexandre Soudarev et aujourd'hui nous allons faire le tour du site de construction et voir de quoi sont occupées nos équipes de construction, quelles tâches elles effectuent et qu'est-ce qui a été atteint dans ces derniers temps. Commençons par ce qui est situé derrière moi. Vous voyez beaucoup de bases de fondations qui sont déjà prêtes, qui sont déjà coulées. Il ne reste que 3 fondations qu'il faudra couler. Et puis, il n'y aura plus de fondations, c'est-à-dire que les travaux de béton finissent, les travaux de béton avec les bases de fondations. Il y a l'hydroisolation de ces fondations. Nous voyons aussi le changement dans la quantité de sable dans les fondations. Cela veut dire qu'il y a eu le remblayage avec le compactage couche par couche. Cela continue toujours. Sur ce site, vous voyez les dalles en béton. Le site est préparé pour y mettre l'équipement lourd. Une groupe, par exemple, sera mise ici qui fera le montage du bâtiment administratif et ménager. Et ce processus va commencer bientôt. Vous voyez déjà que les travaux préparatifs ont déjà été effectués. On va vous montrer bientôt qu'on transporte les constructions en métal de l'entrepôt qui seront mises ici. Et il y aura le montage tout de suite, ça sera rapide. Tout comme avec la partie du bâtiment dont nous vous avons déjà montré le montage. Le mur, la rupture par feu a déjà été effectuée. L'hydroisolation a été effectuée également. On y met des dalles. Le processus continue à pleine voile. Regardons également qu'il y a beaucoup de sable qui a été transporté ici. Il y aura beaucoup de travaux qui concernent le sol. On va en parler encore. Et maintenant, contournons le périmètre du bâtiment. Sur cette oreille de notre Chebourashka, le travail continue également à pleine voile. On y a mis les panneaux du sous-sol, on les met là. On met des profilés pour mettre le revêtement futur du bâtiment. Tous les éléments de fixation nécessaires, tout est en train d'être fait. Et regardez, le niveau du sol est maintenant plus grand, il y a le remblayage qui est nécessaire pour former le futur plancher du bâtiment. Allons plus loin. Cela dit, de ce point, on voit très bien les niveaux différents de nos oreilles. On voit que maintenant, il y a le niveau différent. C'est de plus en plus visible. Cela se passe du côté gauche et également du parti droit du bâtiment. On se dirige vers la partie droite. Vous voyez, c'est un puits de volets d'escalier. Les travaux de béton continuent, s'écouler de petit à petit. On a commencé par le premier niveau, on y a mis les coffrages combinés. On a aussi monté les armatures et le niveau prochain, le niveau suivant, a été coulé. Maintenant, les ouvriers devront faire monter les armatures et installer les coffrages, faire des travaux de coulée. Puis, si vous regardez bien le plafond, vous pourrez deviner qu'il y aura un passage pour aller sur la toiture et on pourra bronzer directement sur la toiture de Sovelmash. Là, vous voyez des éléments de toiture. Ils sont maintenant mis plus près de l'endroit d'où on va les mettre sur la toiture. Et maintenant, nous sommes venus au niveau des travaux qui viennent d'être commencés. Nous ne les avons pas montrés avant. Ce sont toujours des travaux fonciers concernant la terre. Maintenant, on a commencé à faire exploser la terre pour y introduire des communications souterraines. Et ainsi, on va exploser la terre sur tout le territoire du bureau d'études, là où on va mettre des communications. Maintenant, ces travaux continuent là, à pleine voile, le tempo est très bon, les tranchées sont bonnes. On va observer de quoi cela aura l'air par la suite. On va regarder tout cela de plus près quand nous allons entrer à l'intérieur. Nous avons enterré des choses et puis nous les déterrons. C'est ça la technologie.
Pareil, un puits de volets d'escalier. Vous voyez, il y a des puits différents. Si on regarde dans celui-là, on verra effectivement un puits. Il y a un creux, il y a une fosse. C'est nécessaire pour y mettre les communications. De cet angle, on voit très bien ce qui se passe, ce désastre. On creuse partout. Vous savez, on est venu ici, on a monté notre équipement pour tourner ce reportage et le tracteur a eu le temps de creuser une nouvelle tranchée. Bien sûr qu'il reste du travail à faire. Nous allons vous montrer de quoi cela aura l'air quand cela aura l'air plus net. D'ici, on voit très bien l'entrepôt. On voit qu'on prend de l'entrepôt les constructions en métal. On va les apporter vers le bâtiment ménager et administratif pour commencer le montage de pleine envergure. Cela ne sert à rien de faire transporter l'équipement lourd pour, vous savez, transporter une seule dalle ou une seule poutre. Cela ne se fait pas. Il faudra atteindre un volume suffisant pour le faire. Les travaux concernant la toiture vont commencer bientôt. On fait venir des profilés de partout. Et même, il y en a qui ont été montés sur la toiture. Très bientôt, on va voir comment cela sera fait. Le contour extérieur du bâtiment sera fermé. Très bientôt, en fait. Allons plus loin. Voyons ce qui se passe ici. Voici ce dont nous avons parlé. On monte des éléments de toiture sur le toit. Allons de l'autre côté pour ne pas déranger les ouvriers. Nous sommes maintenant dans l'oreille qui est grande. Là, il y a une oreille plus petite et encore une qui est plus grande. Notre Chebourashka n'a même pas 4, mais 6 oreilles. Les gars ont monté une construction en métal. Ils mettent des profilés, etc. selon le projet. Déplaçons-nous. On voit la vue générale du bâtiment avec tous les bâtiments annexes, à part le bâtiment administratif et ménager. On peut déjà voir une vue générale. Je pense que dans les jours à venir, le contour sera vraiment fermé. Les puits d'ascenseur, le serrage d'armature a déjà été effectué et il faudra le faire dans les endroits où le béton a déjà été coulé. Il faudra tout monter plus haut. Ce que vous voyez ici sera effectué dans l'autre volet d'escalier et puis cela va monter et monter toujours. Des figures difficiles ont été coulées. Il n'est pas si facile que ça de le faire. Vous voyez ce que les gars font? C'est une boîte de ventilation. Chers téléspectateurs, je crois que ce point de vue sera la dernière dans cette vidéo. On a fait le tour de tout le périmètre du site de construction, on a vu tous les travaux. D'ici, on voit très bien les niveaux différents des bâtiments annexes que nous appelons des oreilles de Chebourashka. Chaque bâtiment aura sa propre fonctionnalité. Tout est calculé, tout est mis sur papier, tout est documenté. On s'avance. On se développe, on construit, il y aura beaucoup de choses intéressantes dans le futur. Et quand nous allons nous approcher vraiment de la mise en service, ça sera vraiment une grosse nouvelle. Nous continuons notre travail. Merci pour votre attention. À bientôt.